Bonjour à tous. Je viens de recevoir mes deux colis pour mes calendriers de l'Avent que j'ai reçus. Donc le premier là, celui-ci de Lola de la chaîne ZL Création, donc boutique La Baleine qui embosse. Et celui-ci, c'est l'autre calendrier de l'Avent que je vous disais. Donc il vient de Orlan D, qui est de Belgique. Donc elles ont reçu, elles, mon colis hier, donc elles ont pu ouvrir leur case ce matin. Et moi, je le reçois aujourd'hui, nous sommes le premier, donc il n'y a pas de retard, il n'y a pas de souci, tout va bien. Je vais ouvrir ma case 1, le premier, donc il n'y a pas de souci. Donc j'en décalé 1, je le pose là par terre, le temps d'ouvrir le premier. Donc le premier, celui de Lola. Donc, elle m'a mis du plastique, la feuille de soie, ça je vais donner ça à mon assistante la silencieuse, merci. Alors ensuite nous avons encore de la feuille de soie pour protéger, on a une enveloppe, je pense que c'est ta carte. Hop. Oh, c'est une très jolie carte, regardez. Elle est vraiment superbe. Avec des montagnes, des ours. Ça, un peu le paysage du nord-ouest américain. Donc, je pense que ta carte sera très probablement détournée. Alors, dedans, elle me met coucou. J'espère déjà que tu as reçu en temps et en heure ce calendrier et qu'il te plaira. Je me suis beaucoup amusée à tout te faire. Gros bisous, Lola. Donc on est le premier, c'est ce que je disais, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a une autre carte avec le papier de chez Action. Et à l'intérieur, ce sont des gommettes à gratter. Ce seraient les indices que tu as mis en dessous. Regardez, vous avez les numéros et vous avez les petites gommettes. Alors, on est le premier, je me permets. Hein. Oui, c'est ça, c'est des gommettes à gratter. Moi, le téléphone. Alors, je vais les gratter jour après jour. Pour l'instant, je vais vider ton carton et essayer de remettre l'ordre dans le carton. Donc, la case numéro 1, c'est celle-ci. La case... Oh, il y en a deux de collés ensemble. La case numéro... sortine, ça fait 13. La case numéro, le sapin est dans ce sens-là, donc ça doit être la case numéro 9. La case 5, c'est 5. La case 10, elle va là. La case 12, elle va... Hop, il y en avait une autre. La case 12, elle va là. La case 4, elle va là. 18, 18. On va la mettre là. La 7, c'est 7. Alors, tu vois, tu te moquais de mes étiquettes en allemand, mais les tiennes, il y en a en anglais. Hein. Donc, ça, c'est la case 3. Là. La case 11. Donc, j'avais la 10 et la 9. Et tiens, j'ai dit 18. La case 20. Je m'accroche le doigt. Celle-là. C'est marqué chocolat en dessous, la case 21. Tu m'as prévenu qu'il ne fallait pas que je me mette le calendrier de l'Avent trop près d'une source de chaleur. 24, c'est la 24. 14. Alors, 14, 14, 14. Et bien, c'est de la 13. La 17. La 15, la 23, toc, la 16,
Bien. Mon assistante est en train de faire la traduction. C'est-à-dire que moi, j'ai les mots en anglais, je les traduis en français et par derrière, elle les retraduit en anglais. 19. Voilà. Attends, je suis en train de tout remélanger. La case 8. Donc la case 8, elle va là. La 7, c'est bon. Il m'en manque encore. 22. Donc la 22. La case numéro 2. 3. 4, 5. Il manque la 6. Et la case numéro 6. Voilà, donc, ah, et par contre, j'ai deux petites décorations qui se sont fait la belle. Donc, je ne vais pas les remettre dessus. Il n'y a pas de numéro, donc c'est le moins important du paquet, on va dire. Et de toute façon, une fois le paquet ouvert, je récupérerai les décorations pour les mettre de côté pour le December Daily de 2022. Donc, c'est pas trop grave. On va remettre dans l'ordre maintenant. Alors, la 24, 23... 22, 21, 20, 19, 18, 17. Je remets dans ton carton comme ça. C'est la bonne taille. La 16. Alors, la 16, je les ai mis dans l'autre sens. La 15, la 14. La 13, la 12, la 11, la 10. Allez, merci. La 10, la 9, la 8, la 7, la 6 qui est très grande. 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà, donc ton paquet, hop, ça, les indices, je vais les poser dessus pour penser à les prendre. Ta carte, je la remets dans cette petite enveloppe. Donc, je te remercie beaucoup. Les paquets sont vraiment très joliment faits. Toutes les décorations qui sont dessus sont différentes les unes des autres. C'est parfait, je te remercie beaucoup. Je ferai la vidéo à part pour l'ouverture de la case 1, puisque j'ai également le colis d'Orlan à vider et trier. Et dans les ouvertures, j'aurai sac à post-scrap, j'aurai également l'ouverture de ces deux colis-là, l'ouverture de celui de Clarisse, l'ouverture de celui de ma filleule et l'ouverture du calendrier d'été de chez Daman. Daman frère, plus exactement. Donc le tien, je le pose là. Et je récupère celui d'Orlan. Hop là. Un peu de plus, je faisais tomber ta carte. Donc Orlan, c'est l'échange qui a été organisé sur le groupe Scrap avec moi par rapport au calendrier de l'Avent. Donc moi, j'avais été inscrite déjà sur cet échange-là depuis l'année dernière, puisqu'on avait fait des inscriptions l'année dernière. Entre-temps, il y a eu des remaniements dans le groupe. Donc, mes deux binômes ne faisant plus partie du groupe, j'ai demandé qu'on m'attribue un nouveau binôme. Et c'est Orlan qui s'est proposé. Donc, c'est la première fois que j'échange avec Orlan. D'après ce que je vois, ça m'a l'air bien. Mes deux autres binômes étant Lola et Clarisse. Donc, par contre, j'ai quand même continué à faire l'échange avec elles. C'est pour ça que cette année, j'ai 3 calendriers de scrap au lieu de 2. Plus mes calendriers habituels que j'achète. Donc, sa carte. Une très, très jolie carte. Alors, à chaque fois, vous avez une découpe là, en biais. Vous voyez, chaque fois que ça change de couleur, une sur deux, c'est une découpe. Elle est vraiment très jolie. C'est écrit « Moment de partage » dessus. Elle est vraiment magnifique. Elle écrit « Bonjour Claire, j'espère que le calendrier te plaira. J'y ai mis tout mon cœur. Je suis un peu lente, mais d'où mon retard ?» Je ne suis pas plus en avance que toi parce que tu vois, moi, je l'ai envoyé le même jour que toi. Je te souhaite vivement de passer de merveilleux moments durant les réveillons. J'ai fait quelques achats d'après mes moyens en me mettant à ta place. Bien à toi, gros bisous d'une scrap copinette de Belgique, Orlan. Donc, je te remercie énormément. Ta carte est vraiment superbe. Il y a du travail, hein, franchement.
les découpe comme ça en biais pour qu'elles soient vraiment, elles sont posées les unes à côté des autres, il n'y a rien qui dépasse. C'est magnifique. Alors, on va mettre la carte ici. Tiens, ramasse ça parce qu'il y en a grave. Hop. Alors, nous avons le numéro 5, le numéro 15, le numéro 11, le numéro 23, le numéro 4. J'aime bien parce qu'en même temps, j'ai les bruitages. Ensuite, le numéro 14. Ensuite, nous avons le numéro 13. Nous avons le numéro 1 qui est là. Le numéro 20. Ah, celui-ci n'a plus d'étiquette, mais j'ai une étiquette qui était posée dessus. Donc, je pense que c'est le numéro 10 qui se range. Pardon, je vous fais bouger. D'ailleurs, je vais vous pousser légèrement. Sinon, je n'ai pas la place de tout mettre. Les colis sont assez gros. Ensuite, j'ai le numéro 6. Alors, 4, 5, 6. Le numéro 19. Le numéro 24. Le numéro 9. Celui-là, c'était le 10. Donc, le numéro 9 vient là. Le numéro 21. Hop. Alors, le numéro 7. 7, 7, 7. Ça, c'est 6. Non, c'est le 9. Voilà. Le numéro 16. Là. Le numéro 12. Le numéro 8. Le numéro 18, le numéro 3, le numéro 17, on se croirait à un loto. Le numéro 2 et enfin le numéro 22. Donc je pense qu'on a tous les numéros. On les remet dans le carton. Alors je vais juste... Sinon, dans la salle de scratch, je ne vais pas avoir place à tout mettre. Voilà. Alors, je remets donc dans l'ordre. Le 24. Reste là. Le 23. Le 22. Le 21. Le 20. Le 19. Le 18, le 17, le 16, le 15, le 14, le 13, le 12, le 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, hop, excusez-moi, je l'ai encore fait bouger, le numéro 4, le numéro 3, le 2 et le 1. Hop, il va pas rester là longtemps, mais bon, je le mets quand même. Et ta carte, je la repose là pour l'instant. Voilà. Donc, vous voyez, je vais avoir ce petit colis-là dans la salle de scrap avec également celui-ci, où les numéros sont dans l'ordre, dans la salle de scrap également. Donc, je vous remercie énormément les filles. Je suis super ravie parce que quand j'ai vu hier, vous aviez vos colis, toutes les deux, donc un pour la Belgique, un pour Montpellier, et que moi, je n'avais pas les miens, j'étais un petit peu dépitée, même si je savais que vous les aviez envoyés le même jour que moi. C'est d'autant plus frustrant que normalement, par le même transporteur, on aurait dû avoir les colis en même temps.
Mais moi, je les ai déposés à l'ouverture. Il me semble que vous avez déposé un petit peu plus tard. Et bah, c'est les aléas du transport, en fait. Donc, voilà. Il n'y a aucun mal. Je les ai eus le premier. Donc, je les ai eus à temps. En sachant que celui de Clarisse, je vais l'avoir ce soir. On se fait une sortie resto cinéma. Voilà. Donc, entre frangines. Elle me donnera mon calendrier, je lui donnerai le sien. Je lui donnerai également le calendrier de ma filleule. Et il me semble que ma filleule a quelque chose pour moi également. C'est ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous remercie énormément. Les deux colis sont là, c'est ce qui compte. Les paquets sont magnifiques. Il n'y a plus qu'à. Il nous reste un mois, enfin presque un mois, puisqu'on va jusqu'au 24, pour découvrir tout ça. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Lola de ZL Création, la baleine qui embosse, et Orlan de Belgique. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.